Wesh wesh, les petits loups et les louloutins, nous sommes enfin, je suis toujours tout seul là, le vendredi 25 juin de l'année 2020. Et il est 2h30 du matin, quelque chose. On va vous faire court. Vendredi, c'est le jour des radars. Alors, concernant ceux qui disent que je suis fou, dans mon village on m'appelle Philou, il est fou aussi, ça, non, du tout. Là, j'ai un document qui a été établi le 3 juillet 2015 par un médecin psychiatre, Dr Olivier Gosselin, c'est très technique. Je vais vous le lire. J'ai sous-signé, Dr Olivier Gosselin, certifié avoir examiné à 3 reprises M. Philippe Stocker pour les motifs suivants. Selon les critères multi-axaux du DSM-5, acte 1 du DSM-4, pas de troubles psychiatriques. Pas de troubles de la lignée psychotique, notamment pas de clivage, pas de discordance, pas d'idées délirantes, pas de troubles de l'humeur, ni de symptômes dépressifs, ni de symptômes de la lignée maniaque. Pas de troubles envahissants de développement, acte 2 du DSM-4, pas de troubles de la personnalité, acte 3 du DSM-4, pas de symptômes physiques. Heureusement, on pilote de mototrail. Acte 4 du DSM-4, facteur de stress psychosociaux placé sous curatelle. Vous connaissez mon histoire. Acte 5 du DSM-4, évaluation globale de fonctionnement du sang sur sang. Donc j'invite tous ceux qui me racontent que j'aurais des troubles psychiatriques, parce que je suis une victime, à aller faire donc ce type de test chez psychiatre. On la refait. Pseudo-expert psychiatre. Ah là, ils vont m'interner. On est vendredi, le jour des radars. Faites gaffe. Levez le pied, respectez la limitation de vitesse. Vendredi, c'est le jour des radars. Coin, coin. Non, ça c'est mercredi. Là, ils vont m'interner les psychiatres.